Cosmo. Ouais, et Marcus, bonjour. Voilà, il manquait le dernier joueur mondial, le classement ATP complètement dernier. Winner Roland-Garros 1980. Mais c'est pas moi, c'est Yannick Noah qui a gagné en 83 Roland-Garros. Aujourd'hui, on va jouer à Yannick Noah 2000. Parce qu'en 83, voilà, il remportait Roland-Garros. Yannick Noah, maintenant, voilà. Il joue moins bien, mais il chante maintenant. On peut pas tout faire à la fois. Il joue peut-être moins bien qu'à l'époque. Est-ce qu'il chante mieux? Allez savoir, je sais pas. En tout cas, voilà, il est bien sympa, Yannick Noah. Et tiens, il faudra qu'il vienne jouer faire un tennis dans la Level 1 avec moi un jour. Donc je vais pas trop dire de mal de lui. Yannick Noah, All-Star Tennis 2000. Bon, vous voyez, il y a plein de trucs à faire, des saisons, des tournois, etc. Je vais juste faire exhibition. Aujourd'hui, on pourrait jouer aussi à 4 et tout ça. La dernière fois que j'ai joué à 4, c'était avec mes amis à Virtua Tennis. Ça a été l'enfer, tout le monde n'arrêtait pas de parler dans tous les sens. On a bien rigolé, n'empêche, mais on n'a peut-être pas vu grand-chose du jeu. Donc je me suis dit aujourd'hui, calme, volupté, je vais tout faire tout seul. Je vais jouer tout seul, mais évidemment, franchement, c'est ce genre de jeu auquel il faut jouer avec des copains. Allez, je mets un joueur tout seul et on va aller sélectionner notre personnage. Alors regardez, j'adore les... Il y a des filles déjà. Il y a Conchita Martinez. Alors que dans Virtua Tennis, sur Dream et il n'y a pas de filles, donc là c'est quand même pas mal, c'était un peu le seul reproche à faire à Virtua Tennis. D'ailleurs, je m'empresse de dire que Virtua Tennis sur Dreamcast est quand même le meilleur jeu de tennis du monde actuellement. Voilà, Amélie Mauresmo, il y a vraiment toutes les grandes vedettes. Donc vraiment, vraiment, Virtua Tennis est beaucoup mieux. Mais si vous avez une PlayStation et pas de Dreamcast, il faut bien trouver un jeu de tennis. Et puis, bah, Yannick Noah All-Star Tennis 2000, c'est pas si mal que ça. On va voir ça tout de suite. Donc ça peut valoir le coup. Évidemment, si on compare à Virtua Tennis, vraiment, elle prend une claque, la PlayStation. Mais voilà, c'est juste, c'est une machine d'une autre génération. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. On verra avec la PlayStation 2 si on a un bon jeu de tennis. Alors regardez, voilà, je ne vois pas les noms de tout le monde. Clémentine Hilbet, je ne sais pas si c'est des vrais ou pas, je suis tellement peu sportif que je ne sais pas exactement si c'est des vrais ou pas. En tout cas, apparemment, ils ont trouvé des mouvements qui correspondent à chacun. Comme par exemple le fait de se jeter violemment sur le côté quand on n'a plus besoin d'eux. Regardez, Lou Sprout, c'est un vrai nom ça, Lou Sprout? J'ai des doutes. Ah, elle est mignonne, Laura Geller. Peut-être la sœur de Lara Croft, allez savoir. Belle de Saint-Paul, je pense qu'il y a des noms bidons un petit peu. On verra aussi du côté des hommes. On va aller prendre des gars en fait. On va se faire un petit set avec Yannick Noah en personne. Voilà Mali, Joséphine Béranger. Écoutez le nom dit par le commentateur, c'est pas mal. Jeanette Sillery. Voilà, elle a un bon petit accent anglais. Sylvia Bellini. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ah, on dirait Marie-Josée Tarek. On l'a retrouvée finalement alors. Donc voilà, c'est des vedettes du tennis mondial, j'imagine. Je ne les connais pas toutes. On va aller voir les hommes. C'est en dessous, ils sont juste en dessous. Alors voilà, Gustavo Kuerten, Todd Martin. Alors un peu la tête qu'ils ont, je me mets un peu plus sur le côté. Voilà, ça tapote ses chaussures et tout. Les mouvements, les capteurs de mouvements ont l'air assez réussis. On va prendre Yannick Noah, vous inquiétez pas, mais je vais vous faire voir un peu tout le monde. Regardez la casquette un peu façon, comment il s'appelle? C'est Agassi, c'est ça? Calimero. Trop juste. Néo. Diop France. Ils ont des... Alors il y a un truc bizarre, attention, on va y arriver maintenant. Jean-Corentin, on va peut-être le passer. Milouz. Ces gens, c'est des noms de journalistes de la presse spécialisée française dans le jeu vidéo. Milouz, qui travaille à Player One. Trazom, également. Donc j'ai l'impression qu'ils ont filé des noms de journalistes. Lyric, c'est mon pote Cyril Tessier sans doute. Enfin, vous voyez, Spy, voilà, ça c'est Richard qui travaille à Console Plus. Enfin, il y a plein de noms de journalistes. Alain Lacour, qui doit être sur notre rédaction de Console Plus. Donc je trouve que c'est assez sympa d'avoir filé des noms de journalistes. Est-ce que c'est pour les acheter? Je crois pas, parce que tous ces gens que je connais sont plutôt incorruptibles dans l'ensemble. Donc si c'était pour les acheter, c'est pas une très bonne idée. En tout cas, c'est un petit clin d'œil assez sympa. Allez, moi je prends Yannick Noah. Alors le problème, c'est que j'ai pas le droit de jouer contre une fille, c'est un petit reproche. Comme il y a des filles, j'aurais bien aimé faire des mi-couples, un garçon et une fille, des trucs mixtes, et on peut pas. Alors qui on va prendre d'autres? Gustavo Kuerten, je sais pas s'ils sont bons ou pas. On va prendre Todd Martin. Voilà, une bonne bouille, Todd Martin. Ça se trouve, je sais même pas, je prends le plus balèze. Et puis on va commencer. Alors regardez, on peut aussi choisir le terrain. Ça, c'est l'Australie. Quand les Jeux Olympiques seront finis, on pourra aller faire du tennis. La Germanie, c'est-à-dire l'Allemagne. L'Italie. Et la France! Allez, allons en France, directement. Donc c'est Roland Garros, évidemment. Enfin, je crois, je connais tellement, tellement. Regardez la tête à Yannick Noah, ce qu'ils lui ont fait, le pauvre. C'est pire que moi, je peux faire la même tête que lui, regardez. Le mec mal modélisé, voilà. C'est terrible, on dirait Christian Clavier dans J'ai cru la fripouille. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, en plus il y a des temps de chargement un petit peu longs, je trouve, entre deux trucs. Alors voilà, les touches, tenez, c'est tout simple. Vous voyez, il y a quatre touches, lob, lifté, smash, amorti, etc. On peut mettre un peu d'effet avec les touches R1, L1, et c'est tout. Donc vraiment, c'est tout simple. Mais en fait, on aime bien ça dans les jeux de tennis, que ce soit assez simple.
Virtua Tennis, c'était assez immédiat. Là, j'avoue que c'est assez immédiat aussi, mais peut-être finalement un peu moins fin, un peu moins jouable que Virtua Tennis. Virtua Tennis, vraiment, c'est, j'arrête pas de dire du bien de ce jeu. Pour une fois que je dis du bien de la Dreamcast, profitez-en. C'est parce que vraiment, on prend la manette, on y va tout de suite, et c'est sympa. Ah, les voilà qui arrivent sur le terrain. Yannick Noah contre Jacques Martin. Non, ouais. Est-ce que c'est un vrai Tom Martin ? Je connais rien, moi. Bon, je vais servir. Et on va voir ce que ça donne. Je vous dis tout de suite, je suis très très peu entraîné. Donc j'aurais plutôt dû jouer contre un copain. Et en fait, non, je me suis dit, ah, je vais faire ça tout seul. Ubisoft, ils n'ont pas oublié de mettre la pub dans le fond pour qu'on les oublie pas. Et vous avez vu, il y a le petit logo d'Eurosport, ça c'est qui est assez rigolo. Oh, bah, je fais rien du tout. Il y a le logo d'Eurosport qui indique que tout ça est retransmis directement sur Eurosport. C'est plutôt rigolo. On s'y croirait. Oh là là, il m'a pris à contre-pied comme jamais. Bon, je sens que j'aurais bien fait de m'entraîner. C'est quand même mon service, on est déjà à 0,40. Je vais quand même essayer de faire un truc. Oh là là là. Mais oui, je monte au filet comme un âne. J'y connais rien. Ah, voilà le ralenti. J'y connais rien en tennis, moi. C'est pas moi qu'il faut demander ça. Oh, c'est pour voir ça, le ralenti, ça vaut pas trop le coup. Bon, ça donne quoi tout ça? Oh là là. Alors, on a des pourcentages, des statistiques à chaque truc. Alors, cette fois, je suis en bas. Je vais essayer de faire un peu mieux. Et en fait, il passe le ralenti juste pour m'humilier. Un truc qui est pas mal, c'est qu'on a droit au ralenti à peu près quand on veut. On va voir ça tout à l'heure. Si j'arrive à mettre une balle à marquer ne serait-ce qu'un point. Quiet, please. Oh ! Alors regardez, hop, j'appuie sur ralenti et on peut tout de suite voir le ralenti. Ce qui est pas mal et ce qui est assez rare finalement sur beaucoup de jeux de tennis. On peut pas toujours revoir les choses au ralenti quand on en a envie. Bon là, ça ne valait pas le coup d'avoir le ralenti. Mais regardez, je peux changer de caméra et on peut revoir ça sous différents angles. Donc plutôt sympa l'option du ralenti. Bon, mais c'est pas le tout. Il faudrait peut-être que je marque au moins un truc. Ce serait pas mal. Ou alors qu'il rate un service, Todd Martin. Oh non ! Oh, je n'ai pas dit. C'est impressionnant. Bon, allez. Concentré ce coup-ci. On entend le public. J'espère qu'ils vont m'encourager un peu. Ça m'aiderait. Tout à l'heure, j'avais joué contre Rico. Et Rico était vachement moins malade, j'ai l'impression. J'aurais peut-être pas dû prendre Todd Martin, là. Je sais pas quoi. Ça se trouve, il est numéro 1 mondial, je le sais même pas. Ah, moi et le sport, c'est vraiment... Game Martin. Bon, ça va être vite vu. Martin va me coller un set direct et puis on n'en parlera plus. Oh là 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 là. C'est lamentable, j'aurais même pas fait un seul échange correct. Hop là. Les gens qui jouent au tennis doivent me voir, ils doivent se dire mais c'est pas possible. J'entends comment qu'on reste dans le fond. 30. Je sais pas si vous avez entendu. Oh c'est horrible. Ils ont dû digitaliser la voix de quelqu'un de la famille de Yannick Noah pour le faire encourager Yannick Noah. Mais alors moi ça m'aide pas du tout, ça me fout tout à l'air. Ah j'ai fait un lob, voilà. Enfin joli, bon allez, je vais monter. Ah non. Oh, il a l'air complètement. Regardez, il coule de moi terré le pauvre. Allez, c'est parti Yannick. On y va. Eh ben. Oh faute, elle n'est pas faute là, si. Je suis au mise de marque. J'ai voulu me faire un look à Yannick Noah et c'est complètement raté. On dirait plutôt John Borg vieux. C'est vous n'avez même pas connu John Borg vous. Oh, si je regarde même pas le terrain, ça va être terrible. Bon. Martin, quelqu'un a dit quelque chose. Allez, c'est lui qui sert. Regardez, il y a quand même des beaux, je trouve, des beaux petits mouvements. Là, il a fait un petit geste avec sa raquette qui était pas mal. Le Todd sort, se sert. J'arrive pas. Bon, c'est quand même plus rigolo avec des copains, hein, surtout quand on est aussi mauvais que moi. Je dois bien reconnaître que c'est tragique. Vous êtes en train d'assister au pire match de tennis jamais vu, que ce soit sur console ou dans la vie. Ah 40 love. Et ils applaudissent pour ça, bah dis donc. Quiet, please. Ah, mais l'arbitre leur a dit de se calmer, vous avez entendu? Game, Mark, Noah, to serve. Bon, allez. Yannick, s'il te plaît. Ah non. Love. Ils ne voient rien avec ma grosse tête. C'est absolument horrible. Quoi? Quelqu'un me parle. Bon, on va voir. Allez, on y va. Oh là 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 là, je suis mauvais. Oui papa, s'il te plaît, je suis au travail, c'est pas la peine de m'encourager.
Ah, il est bien soutenu, hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, je vais me taire un peu et je vais essayer de faire ça correctement parce que c'est vraiment pas possible. Voilà, je lui fais un petit amorti, ça n'a pas l'air de le troubler du tout. Oh, ça marche pas mieux, hein. Oh là là, complètement pris à contre-pied. Alors, est-ce que c'est moi ou pas sur Virtua Tennis? J'arrivais à des choses, alors j'ai peut-être pris un mec vraiment trop balèze dès le début, je sais pas. Mon style n'est pas non plus absolument parfait, mais quand même. Allez, hop. Oh bah voilà, et ben il m'a eu. Oh, c'est la déculottée monstrueuse. C'est absolument terrible. Allez, on y va. On y croit. On y croit pas trop en même temps. Je crois que c'est un jeu qui existe aussi sur Nintendo 64, j'en suis même pas sûr. J'aurais peut-être dû prendre la version Nintendo 64, je suis plus habitué aux manettes. Oh, j'ai marqué un truc, je le crois pas. En tout cas, sur Nintendo 64, vous avez Smash Bros. Non, pas Smash, Mario Tennis, qui devrait arriver, qui ne doit pas être mal, qui sera sûrement mieux. Oh. J'essaie toujours. Le gars qui m'encourage, en fait, moi, ça m'achève, vraiment. Allez, Yannick, Yannick. Non, qu'est-ce que je fais là? Je ne fais même pas attention. Bon, je m'en fous, je me barre. Voilà, je vais aller dans le public. Le public, il m'aime, lui. Donc voilà. Oh là 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 là! Game, set and match, Todd Martin. Bon, alors autant dire qu'il est absolument dégoûté, Yannick Noah, et alors que Todd Martin a l'air en forme. Bon, ce qu'on va faire, on va changer. Ah, il se serre la main quand même, vachement fair play. Vous voyez que c'est assez pauvre un point de vue ambiance sonore, quand je me teste, c'est vraiment, il se passe plus rien quoi. Puis j'ai pas grand chose à dire en plus, donc ça va être assez sinistre. Qu'est-ce que je peux vous parler du costume de Level 1? Vous voyez qu'on recycle, pour les plus attentifs, c'est mon costume des fous du volant de pierre à feu. C'est une pelote de laine achetée sur une brocante pour 30 francs, pas cher. Ça a servi aussi de serpillière pour faire une bande-annonce pour les Level 1 d'horreur la nuit. Et maintenant ça me sert de perruque de tennisman. Donc rendez-vous dans le prochain Level 1, ce sera le seul intérêt, un peu comme ce Level 1 là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec sa plug de laine Marcus cette semaine. Parce que le jeu en lui-même, franchement... C'est pas terrible. Mais c'est ma faute, hein, franchement, parce que voilà, j'ai pas beaucoup révisé. Voilà, on fait un peu ça en catastrophe aujourd'hui, pour tout vous dire. Mais voilà, non, c'est pas mal quand même. Hein. Si vous avez une PlayStation, moi je suis assez fan de Pete Sampras Extreme Tennis, que je trouvais assez rigolo. Donc voilà, j'avoue que je trouvais assez fun et assez drôle. Donc j'étais un peu resté scotché sur ça. Mais il est quand même très vieux. Allez, on garde Yannick Noah quand même. On va pas s'en débarrasser. Et je vais prendre Rico ce coup-ci. Où il est? Voilà, regardez, Lio Rico. J'ai pas fait gaffe à leur performance et tout. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que je suis vraiment extrêmement mauvais. Tiens, on va changer, on va aller en Australie. Joli l'Australie aussi. Comme ça, on va voir. Je passe un peu plus vite ce coup-ci. Bon, ça, vous avez pigé comment ça marche. Voilà, je suis désolé d'être aussi mauvais des fois. C'est assez lamentable, mais on peut pas être bon à tous les jeux. Pour vous dire, on fait 4 level 1 par semaine. Ça veut dire qu'il faudrait que j'apprenne à être bon à 4 jeux, ce qui n'est pas trop possible. Surtout qu'à la base, moi, je suis quand même un joueur assez moyen. Alors bon, en traînant une heure ou deux sur chaque truc, c'est sûr que je ne vais pas être une foudre de guerre. Et le sport, c'est vraiment pas mon truc. Je me demande ce qu'est mon truc, finalement. Des fois, on se demande. Bon, allez, Yannick. On y retourne contre Rico. Et ce coup-ci, il va plus rigoler. Allez. Ah voilà, j'ai dû prendre un mec trop bon tout à l'heure. Ah voilà, merci papa. Voilà, non mais si m'encourage encore un peu, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, lui il réagit pas. Voilà, c'est très bien. Donc jouer contre Rico. J'espère que ce type est pas un vrai tennisman parce que c'est la honte quand même. Ils ont collé des compétences absolument terribles. J'ai peut-être pris un mec trop balèze. J'ai vraiment pas regardé. J'ai pris au hasard parce qu'il avait une bonne bouille. J'aurais peut-être pas dû. Voilà, là je peux faire des classes, des trucs classes. Ah, peut-être un smash. Non, allez, va chercher. Ah, c'est super loin. Oh, les gens sont déçus. Hein. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que dans le level 1, on triche pas, quoi. C'est-à-dire, vous allez voir ce level 1 où j'ai été minable alors qu'on aurait pu retourner une deuxième fois et puis faire en sorte que ce soit beaucoup moins mauvais. Ben non, on va faire que cette prise-là aujourd'hui, parce qu'on est fatigué, qu'il est tard. Et donc voilà, vous verrez ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Oh là là, je redeviens mauvais. Bon, allez, concentré. Quelqu'un est en train d'encourager Rico, d'après ce que j'ai entendu. Donc apparemment, ils ont tous leurs petits encouragements. Là, j'ai un peu coupé la balle. Ah, pas mal. C'est quand même plus joli. Est-ce que c'est le terrain australien qui me réussit plus? Je ne sais pas.
T'énerve pas, Yannick, c'est bon, il y a l'ET là. Elle y était pas. Il y a coup franc là. Oh là là, non, bah oui. Je me laisse prendre complètement à contre-pied. Voilà, j'ai fait un petit amorti. Merci, merci. Pas tous à la fois sur toi. Donc ouais, l'ambiance sonore est quand même relativement pauvre. Ça, on est d'accord. Et puis il n'y a pas de séquence un peu cinématique entre deux coups échangés. On voit pas des gros plans sur les joueurs comme dans Virtua Tennis. Vraiment, je compare à Virtua Tennis, parce que c'est le dernier que j'ai pu voir et qui m'a vraiment, vraiment emballé. Donc là, il faudra peut-être attendre la PlayStation 2 pour avoir un vrai, vrai bon grand jeu de tennis sur PlayStation, apparemment. Mais bon, en attendant, c'est toujours mieux que rien. Et puis c'est quand même sympa. Ah zut, j'ai raté, j'ai tout mis dans le filet. 45, on va peut-être me ressaisir un petit peu là. Parce que même Rico, qui est quand même l'ami Rico, j'en suis à faire des vannes minables pour essayer de détourner l'attention de... Si je deviens aussi minable en vanne qu'en jeu, c'est terrible. J'ai entendu un ricanement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ils rigolent les gens. On se moque de moi, c'est pas très gentil. C'est pas de moi qui se moque. En tout cas, voilà, de temps en temps, il y a des rires. On entend le public qui réagit, l'arbitre qui leur demande de se taire un peu. Parce que quand même, on n'est pas au cirque ici. Donc voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. Bon, j'ai dit beaucoup de mal et j'ai été très mauvais, mais franchement, c'est pas un mauvais jeu. Il est plutôt sympa. Donc si vous avez une PlayStation, bah, essayez-le. Vous verrez bien si la jouabilité vous convient ou pas. Si vous êtes aussi peu doué que moi, ou peut-être mieux s'orienter vers des jeux plus simples. Bon allez, on va s'arrêter là, je fais un dernier petit échange pour voir. Je vais lui lifter une balle. Ouh, il est passé du donc. Bon allez, on va finir là-dessus, ce sera mon heure de gloire. 15-15, c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Allez, ciao, soyez sages, à bientôt. On rapproche à Level 1. Salut.